Infiniment, Olivier, ce que tu as dit était vraiment à la hauteur de ce que j'attendais. Je suis vraiment surpris. Juste, il y a des choses qui m'ont un peu rassuré. Je savais que j'avais d'assez bonnes chances, j'ai un petit handicap, mais d'assez bonnes chances de vivre assez vieux. J'ai plutôt fait des études, il y a un métier intellectuel, je fais encore un petit peu de sport. J'ai accumulé tellement de trimestres après 60 ans, 5% de mon dernier salaire pour ma retraite. Je vais avoir bien longtemps pour l'assistance publique, mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont des bulletins de salaire sur 50 ans à l'assistance publique. Et ce qui m'a vraiment beaucoup rassuré, c'est que je suis trésorier d'une association. Et donc, je pense que ça augmente fortement mon finance de vie. Bon, j'ai hâte de faire des plaisanteries. Je passe la parole au public. Oui, dans votre. J'étais confrontée moi-même à une voisine atteinte d'une maladie d'Alzheimer, qui maintenant est placée dans des établissements super parce qu'elle devenait dangereuse pour elle-même, elle ne pouvait plus vivre seule. Et par rapport à votre intervention, je me pose la question. La première personne, là, hollywoodienne, avait 55 ans quand elle a eu les premiers troubles. Maintenant, quand on parle des troubles liés à Alzheimer, c'est quand même la plupart du temps à partir de 80 ans, enfin des personnes assez âgées. Or, il y a des personnes de plus en plus jeunes qui sont atteintes de ce qu'on dit la maladie d'Alzheimer, voire 40, 50 ans. À quoi est-ce qu'on peut attribuer ça? Alors, mystère. Alors, il y a deux possibilités. La première, qui moi me satisfait peu, c'est de dire qu'un phénomène biologique, c'est une répartition gaussienne, c'est-à-dire qu'il y a des moyennes et des extrêmes. Et que finalement, peut-être ces personnes seraient les malchanceux d'avant la version très initiale. Mais ça ne résiste pas à ce que l'on commence à connaître comme biologie moléculaire, etc. Les profils, notamment des marqueurs biologiques, sont un petit peu différents pour aussi ces personnes jeunes, y compris d'ailleurs des personnes qui ont des formes à transmission génétique qui ressemblent à celles du daltonisme, des petits poils modèles. Voilà. Donc cette première hypothèse tient malheur. Après, la deuxième hypothèse, c'est que ce soit deux affections différentes. En fait, on connaît un certain nombre de situations de maladies qui sont souvent liées à des anomalies biologiques de type anomalie génétique, des anomalies du métabolisme, qui minent le vieillissement. Et donc, il y avait une maladie venue, ça s'appelait la progéria. Alors, je ne sais pas si vous avez vu le film Délivrance, je continue avec ma référence, c'est vrai. Celui qui joue du banjo, il allait en avoir 85 ans, il en a en fait 17. Et donc, voilà, peut-être qu'il y a des maladies mal connues, génétiques ou à expression précoce, qui minent quelque chose qui s'apparente au vieillissement. Et que donc, finalement, ce qu'on appelle Alzheimer chez les jeunes n'est pas la même chose que ce qu'on appelle Alzheimer chez les sujets très âgés. Mais c'est un débat, parce qu'aujourd'hui, nul n'a vraiment de certitude. Et on voit bien qu'autour de cette logique, les chercheurs aussi ont des positions, je dirais, idéologiques. Alors, ce qui est dit aussi dans les médecines, non pas parallèles, mais alternatives, hein, en naturopathie, par exemple, qui n'est pas la médecine, d'ailleurs, que tout ce qui est métaux lourds, ça monte directement au cerveau. Et ce qu'on trouve dans l'alimentation, et donc aussi dans certains médicaments. Alors là encore, c'est la confusion entre éventuellement certaines maladies et ce qu'on appelle le déclin cognitif. C'est-à-dire qu'on a montré dans certaines formes particulières d'atteinte liées à l'aluminium à très forte dose, ce qu'on a connu chez des patients qui étaient dialysés, voilà, les métaux lourds, ça pouvait donner des lésions et des symptômes qui pouvaient s'apparenter. Voilà. Mais aujourd'hui, il n'y a aucune corrélation statistique qui a été établie avec quoi que ce soit. Là encore, ce sont probablement des choses qui sont un peu confondues. Et c'est vrai que, alors je n'ai pas évoqué ce sujet, mais dans les années 80, on mettait tout sous le nom d'Alzheimer. On a découvert d'autres maladies, ce qu'on appelle les maladies apparentées, la maladie des corps diffus, etc., qu'on a identifiées dans les années 90 et début des années 2000, et on s'est arrêté là. Et que je pense qu'aujourd'hui, dans le déclin cognitif, il y a encore un démembrement à faire, parce que ce que ma pratique au quotidien m'apprend, c'est que 35 ans que je soigne des sujets qui ont ça, à deux qui se ressemblent. Alors, je caricature un peu, mais voilà, les gens ont des profils évolutifs, il y a des gens qui ont des gros troubles de mémoire, et très peu de troubles du langage, des gens qui ont beaucoup de troubles du langage. Mais c'est un espace tellement hétérogène qu'il y a encore beaucoup à trouver, mais que ce qui me frappe, c'est qu'il y a ce parallélisme entre
ce qui fait le vieillissement réussi ou pas réussi et l'émergence de déclin cognitif. Et puis en même temps, remettre en cause la médicalisation, c'est ouvrir des questions sociales relativement larges qui n'est pas intéressant de poser actuellement. Merci beaucoup pour votre conférence qui est absolument passionnante. Est-ce que vous avez des méthodes de comparaison avec le déclin cognitif en Asie et en Afrique par rapport à l'Europe? Alors, il y a quelques surprises chez les Japonais qui ont une espérance de vie particulièrement élevée, c'est la population qui a le plus d'espérance de vie, alors qu'ils fument et ils boivent et qu'ils devraient... Voilà. Ce qui est sûr, c'est que, un, c'est un phénomène qui est d'abord repéré dans les pays développés, parce que dans les pays sous-développés, on meurt avant d'autres choses, de maladies infectieuses, de maladies cardiovasculaires. Donc ça, c'est un élément de différence. Après, on a le sentiment que... Dans tous les pays, c'est vraiment très lié au niveau d'éducation reçu dans l'enfance. Et que c'est surdéterminant, et c'est bien plus déterminant que le parcours de vie professionnel après. C'est-à-dire que, voilà, dans des pays qui ont connu des périodes un peu agitées au niveau de la scolarité comme la Chine, dans cette période d'Asie, finalement, de ce que l'on sait de l'épidémiologie chinoise, ceux qui sont restés à l'école, qui n'ont pas été faits paysans en champ pendant la révolution culturelle, ils s'en sortent mieux qu'ils sont allés, et ceux qui n'ont pas eu le niveau d'éducation lié à l'école. Mais cette dominante du niveau d'éducation initiale, elle se retrouve dans tous les pays, et elle nous interroge parce qu'on ne sait pas ce qui détermine ce lien. Alors la première idée consisterait à se dire, on se fait une réserve intellectuelle, parce qu'on a fait travailler notre cerveau, et que même si on est grignoté par un processus de destruction, bah, notre réserve nous permet de lutter contre. Mais c'est peut-être plus compliqué que ça, et notamment dans les méthodes d'apprentissage, il y a des neurophysiologistes qui disent finalement qu'apprendre par cœur, comme des abrutis, comme on l'a fait d'apprendre des préfectures, etc., bah, ça a peut-être une certaine importance, et qu'aujourd'hui on n'apprend plus par cœur, et bien peut-être que l'effet protecteur va plus être. Tout ça pour dire qu'on est quand même dans voilà, une méconnaissance totale du fonctionnement cérébral et finalement de ces dégâts. Si, tout ça est multifactoriel, mais comme aujourd'hui, l'élément qui est le plus structurant en termes de probabilité d'éviter ou de ne pas éviter ce déclin cognitif, c'est le niveau d'éducation initiale. Il y a une vraie interrogation sur qu'est-ce que ça représente. Est-ce que c'est d'avoir appris par cœur les préfectures ou au contraire d'avoir fait des intégrales en troisième degré? Le débat est ouvert. Oui, vous avez raison, ils ne peuvent pas manger tous les deux ensemble. Ils ne peuvent pas parler ensemble. Oui, merci. Ce qui que je souhaitais vous demander, vous connaissez certainement la nouvelle réglementation, relativement nouvelle, le contrat de protection future, qui consiste à s'appuyer d'avocats et notaires pour sortir du merveilleux schéma que vous avez montré, où tout le monde intervient sans faire. Alors, le mandat de protection future que vous évoquez, c'est intéressant parce que ça a été mis en place pour essayer de simplifier les procédures qui perdurent par ailleurs, qui sont les procédures de tutelle, de tutelle et de curatelle. C'est l'idée finalement que de son vivant, en termes de plénitude des capacités, on désigne quelqu'un qui vous représentera, qui fera une sorte, non pas seulement de personne de confiance, mais voilà, de personne qui va toucher par votre place. C'est la fin vachement bien, mais il y a, comme toujours, des effets pervers. C'est-à-dire que, alors que dans les procédures de tutelle et de curatelle, on est effectivement sous la responsabilité du tuteur et du curateur, mais il y a le juge qui regarde et qui vérifie que tout se passe bien, la personne, le mandat de protection future, il n'y a plus cette procédure. Alors, il peut avoir parfaitement confiance dans la personne, mais voilà, on perd quelque chose qui est une sorte de protection du regard extérieur. Donc, comme toujours, on a simplifié les choses qui marche parfaitement bien dans 95% des situations, mais on a pris des risques sur 5% des situations. Je dis ça parce que moi, ça m'est arrivé, parce que pour mettre en place un mandat de protection future, il faut aller voir un expert qui dit effectivement qu'il faut le mettre en place. Et donc, moi, on m'a amené, parce que la notion d'expertise, elle est très complexe, parce qu'on vous amène quelqu'un,
Et on vous demande, alors que nous on réclame des hôpitaux de jour pour faire réussir des déclics cognitifs, en un quart d'heure il faut dire s'il est incapable ou pas, qui est quand même un truc un peu surprenant. Et donc on m'a amené un jeune monsieur en me disant, voilà, il veut mettre en place ce mandat de protection future. Effectivement, ce monsieur avait un déclin relativement évolué, et donc je pose la question à tout hasard de ce mandat de protection future, quand est-ce qu'il l'a fait? On m'a dit, il l'a fait il y a 3 mois. Et donc, voilà, il faut s'assurer, et donc ce système de mandat de protection future qui est très léger, parce qu'on sort des forces de la justice, peut poser problème parce qu'il peut y avoir quelques manipulations. Oui, mais manifestement, la gestion par la justice est parfaitement anonyme. Et oui, oui et pardon. Moins intéressé. Oui et non, parce que les juges des tutelles vont toujours d'abord prendre les membres de la famille comme. Voilà. Alors, sauf qu'il y a des familles qui posent souci. D'accord. Mais les juges essaient quand même au maximum de transférer cette mission à un conjoint et aux enfants. Ce qui est le cas de 85% des tutelles de personnes de plus de 80 ans. Cependant, il y a 20% des gens qui effectivement n'ont pas de référent, et à ce moment-là, ben, il en est des tuteurs et des mandataires professionnels comme des syndics d'immeubles. Et donc, le mandat de protection future permet à ce moment-là clairement de désigner soi-même clairement quelqu'un sans être obligé de passer par la décision du juge. Et on est d'accord, c'est une vraie amélioration, mais il y a quelques risques de dérapage parfois qui sont compliqués. J'en ai eu quelques exemples. Après 30 ans de vie professionnelle Moyen-Orient, comme on avait droit à 2 intervenants, notaires et avocats, j'ai pris les 2. Jamais à tout ça. Au moins, celui-là, je le connais. Par contre, je ne connais pas les 25 personnes qui interviennent, nommées par le juge, qui me dit, oui, mais tous les ans, je regarde le rapport financier. Si vous avez donc une équipe très importante de comptables, effectivement, j'ai que mon assistant. Merci. D'autres questions? Comment peut-on établir avec certitude un diagnostic de maladie d'Alzheimer? Parce que visiblement, le tableau clinique prête à. Les critères qui ont été figés dans les années 80, donc avec la collaboration avec le FIDERETEMAF, sont des critères de probabilité. C'est-à-dire qu'on établit des signes cliniques qui portent sur le fonctionnement cérébral, je dirais presque très simple. On a des briques de base, la mémoire, le langage, ce qu'on appelle les praxis aussi, qui sont des trucs de base avec lesquels on fait des constructions. Ces constructions, c'est la séquence des gestes que nous faisons, par exemple, pour nous habiller le matin, il faut qu'il y ait une séquence, sinon ça va se faire. Ou des éléments intellectuels qui sont raisonnements. Donc on sait que lorsqu'il y a des altérations de ces briques de base et qu'il y a un retentissement sur la capacité à être en interface avec le monde extérieur et que, bien sûr, ça vient d'arriver qu'avant les gens avaient des facultés parfaitement intactes, c'est aujourd'hui la notion de maladie d'Alzheimer probable. La certitude dans ces critères est donnée par l'étude anatomique sur l'observerait au cerveau les lésions qu'avait décrites Alzheimer. Bien évidemment, on ne peut pas faire de biopsie, ça n'a pas de sens. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on est capable d'identifier un déclin cognitif organique irréversible, alors qu'il soit d'origine d'Alzheimer, qu'il soit lié à d'autres maladies. Donc ça, on sait faire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on le fait avant tout par la clinique. En discutant avec les personnes, en les soumettant à quelques épreuves, on arrive à identifier les dysfonctionnements des briques de base et des capacités de construction. Après, on voit bien que aujourd'hui, les outils que la médecine met à notre disposition, c'est-à-dire l'imagerie cérébrale plus ou moins élaborée, un scanner, l'IRM ou d'autres types d'imagerie, ou que ce soit les marqueurs biologiques, ne vont que dans les formes typiques confirmer qu'on ne s'est pas trompé. Mais ça ne permet pas de faire un diagnostic de certitude. Et aujourd'hui, on a une vraie question clinique. Si on prend l'hypothèse que c'est une maladie, c'est à des stades très débutants, d'être sûr qu'on est confronté à un stade débutant de cette maladie et non pas à un coup de déprime, une difficulté ou alors la maladie de la vie. Parce que derrière, si on veut bâtir des modèles pharmacologiques, il faut qu'on puisse agir tôt dans un processus qui est un processus bien sûr d'évolution. Donc aujourd'hui, on fait un diagnostic sur la clinique dans les formes où la maladie est établie avant.
Oui, alors le marqueur biologique, c'est quelque chose qui va... Donc, globalement, si je résume là, ce que l'on sait aujourd'hui de la physiopathologie de ce type de lésion de type Alzheimer, c'est le neurone fabrique une protéine qu'il ne devrait pas fabriquer, qui se dépose dans le cerveau, c'est ce qu'on appelle la protéine bêta-amyloïde, et en même temps, les neurones vont mourir parce que les protéines de structure qui forment ce architecture intérieure se dégradent, et à ce moment-là, ça devient la mort neuronale, le neurone est remplacé par des débris qui sont des fibrilles. Donc ça, ces deux éléments, on les identifie, et on peut à ce moment-là, indirectement, en mesurer la quantité, en allant prélever notamment du liquide céphalo-rachidien, qui est ce liquide qui baigne notre cerveau, et on voit à ce moment-là des excès de cette protéine, ou des débris de la protéine anormale de structure des neurones. Mais aujourd'hui, ça ne permet pas, aucun papier, aucun consensus scientifique ne permet de dire que ces marqueurs-là sont suffisants pour affirmer le diagnostic, justement parce que le vieillissement donne ces anomalies et que ces quantités de dépôts de protéines et de ce qu'on peut en doser dans le liquide est probablement corrélée à l'intensité des lésions en termes de quantité, mais en même temps, cette intensité des lésions n'est pas corrélée avec les symptômes cliniques parce qu'il y a peut-être cette notion de réserve. Donc on est aujourd'hui coincé. Lorsque les personnes ont des symptômes avérés, eh bien on peut dire, ah ben oui, il y a des symptômes avérés, mais lorsqu'on est dans quelque chose d'ambigu, on ne sait pas très bien, la science ne nous apporte pas la solution. Même si, vous avez dû entendre parler de ça aux infos, tous les trois jours, on nous invente le test miracle, alors la prise de sang, je regarde au fond d'œil, etc. Comme depuis 40 ans, on nous dit, j'ai enfin un médicament qui va guérir les cancers. Il n'y a rien à dire dans le dernier naturaliste. Parce que ça, voilà, c'est un vrai sujet, c'est-à-dire que vous voyez bien que je pousse le paradoxe en disant je ne veux pas dire que c'est une maladie, c'est vieillissement, il n'en reste pas moins que c'est une problématique biologique, humaine, et une problématique humaine au sens clinique du mot, indiscutable, c'est-à-dire que ce soit le vieillissement ou un processus morbide, si on arrive à le repousser au maximum, et qu'on a une intervention pharmacologique qui nous permet de tenir plus longtemps, tant mieux, parce qu'on voit bien que cette évolution de l'épidémiologie que je vous ai montrée, voilà, on peut faire la même en termes de qualité de vie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à 85 ans, eh ben, on vit bien mieux que les 85 ans d'avant, et que si on peut continuer le plus tard possible, bien sûr, alors après il y a des débats sur l'horloge biologique, on a un peu l'impression que ce sont les travaux des démographes, que l'espérance de vie maximale de l'espèce humaine, il y en a qui considèrent voilà, à 120 ans, on n'ira pas plus loin. Alors, il y en a d'autres qui disent qu'on va être comme les bactéries qui sont dans les fonds sous-marins, évidemment. Voilà. Parce que ces gains d'espérance de vie, cette rupture de pente à 65 ans que je vous ai montré, on l'a suivie, c'est-à-dire que d'année en année, elle s'est décalée. C'est-à-dire qu'on a eu, par exemple, au cours de la dernière décennie, une fantastique augmentation de l'espérance de vie après 95 ans. Mais aujourd'hui, on plafonne. Comme si on était, voilà, arrivé au plafond, il y a un très joli papier de démographe dans Nature, justement, il y a 2 ans, voilà, qui dit, arrêtons de rêver, voilà. Mais si on arrive à 120 ans, en forme, peut-être en consommant un comprimé, ça vaut la peine. Donc il faut continuer à se poser des questions scientifiques, bien sûr. Bonjour. Vous avez parlé de l'inutilité de certains médicaments. Je voudrais savoir si c'est même médicaments ou des effets délétères. Alors, forcément, oui. Le problème, c'est qu'il y a dans les effets délétères deux types d'effets délétères de ces médicaments. Il y a des petits bobos, c'est-à-dire que ça donne des nausées, ça donne la diarrhée, ça donne la goutte au nez, mais bon, voilà, qui va écouter les malades de 85 ans sur ce sujet-là? Donc, cette notion de désagrément lié à ces médicaments est un peu passée en deuxième ligne. Et puis, on a montré, mais c'est très difficile à montrer chez les sujets très âgés, un certain nombre d'effets secondaires potentiellement délétères. On a montré, par exemple, que très certainement, ça augmentait, ces médicaments augmentaient le risque d'accident vasculaire cérébral et de mort d'origine cardiovasculaire. Le problème, c'est l'imputabilité. Quand vous avez un patient qui a 85 ans, qui a 25 ans d'hypertension artérielle, qui prend un de ces médicaments et qui fait un accident vasculaire cérébral, on va dire c'est normal, il est hyper tendu. Et on ne va pas imputer au médicament. Donc, j'ai participé à ce mouvement, bien sûr, en tant que membre de la commission de la transparence de l'autorité de santé. Notre argument a été de dire d'abord, les études ne sont pas convaincantes, les résultats
sont mesurés avec une échelle qui ne tire pas la route, c'est-à-dire que voilà, même si c'est statistiquement significatif entre le groupe traité et le groupe placebo, tout ça n'a pas de pertinence. Et il y a des effets secondaires qui sont certainement, enfin, qui sont observés de manière mineure et qui pourrissent un peu la vie des patients, et peut-être des effets majeurs, mais on n'a pas de preuves certaines. Et cette notion de service médical rendu, qui est ce que nous rendons à la commission de la transparence pour évaluer les médicaments, on a dit bah, finalement, le service médical rendu est insuffisant. Mais ils ont bien sûr des effets secondaires. Il y en a certains qui étaient vraiment toxiques, la tacrine, ça a été quelle fois que c'est. Voilà, alors la tacrine, ce fameux XOMERS, voilà, a été retiré du marché très vite parce que dès qu'on commençait à être une dose au-dessus d'une dose infinitésimale, il y avait tous les malades avaient des atteintes hépatiques très sévères. Mais les autres ont été malins parce qu'ils ont réussi à trouver des copines qui n'avaient pas cette toxicité. Et c'est ceux-là qui ont été remboursés par le NEI. Mais la France est le seul pays au monde à les avoir déremboursés. Ce qui fait que l'industrie du médicament continue à voilà, gagner beaucoup, beaucoup d'argent, mais c'est pas du tout. Ils avaient même rendu une forme en patch. Vous savez, parce que les vieux se défendent, ils refusent de prendre leur traitement. Alors là, paf, on en mettait dans le dos. Vous savez, entre les deux omoplates. Bonsoir. J'aurais une question. Il y a un papier qui est sorti il y a quelques mois, laissant entendre qu'une bactérie buccale aurait une incidence sur la maladie d'Alzheimer. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus là-dessus? Alors là, moi, il n'y a rien de solide. C'est qu'aujourd'hui, voilà, régulièrement, on propose différents modèles physiopathologiques. Il y a un modèle infectieux. C'est-à-dire que par cousinage avec la maladie de Creutzfeldt-Jakob, peut-être que voilà, certains débrions pourraient être à l'origine. Il y a un modèle inflammatoire que certains actuellement portent. Il y a des modèles vasculaires. Voilà, aujourd'hui, il n'y a rien de solide. Oui, bonsoir. J'ai une question. Cette destruction de neurones est-elle touchait tous les neurones ou est-elle concentrée dans l'hippocampe? Est-ce que ça touche également le cortex, le cerveau et évidemment l'épinière? Et deuxième question, où en est-on des pistes de recherche sur les cellules souches et la production de nouveaux neurones qu'on pourrait éventuellement intégrer au niveau du cerveau pour remplacer ceux qui seraient déjà détruits? Alors, il y a une topographie des lésions, c'est-à-dire que les lésions concernent le cortex cérébral, mais commencent dans certaines zones et s'étendent progressivement avec un chemin qui est un chemin très particulier, qui est assez bien connu, qui effectivement part de l'hippocampe et s'étend ensuite à différentes zones corticales. Après, sur les greffes neuronales, c'est compliqué parce qu'on a mis beaucoup d'espoir, notamment pour la maladie de Parkinson. La maladie de Parkinson, c'est intéressant parce que c'est un modèle très simple. C'est-à-dire qu'il y a une petite zone cérébrale qui dégénère, qui ne fabrique pas une substance, et magie, on est capable de donner cette substance sous forme de comprimé. Et d'ailleurs, c'est le modèle qui a inspiré le modèle du traitement de l'Alzheimer avec les médicaments que j'ai évoqués. Voilà, on a essayé des modèles de greffe dans la maladie de Parkinson, et aujourd'hui, on a quand même le sentiment que ça ne fait pas grand-chose. Et donc, mais je pense que voilà, tout est potentiellement à l'étude, mais on voit bien que pendant très longtemps, le Parkinson c'est ça parce que les neurones qui sont détruits dans le Parkinson, ils ont une fonction unique qui tourne autour de la motricité. Le problème c'est qu'aujourd'hui, on a beaucoup évolué par rapport à ce que moi j'avais appris à la faculté, on me disait voilà, telle zone c'est le langage, telle zone c'est le sentier, etc. Aujourd'hui on voit que les neurones sont multifonctionnels. Et que dans les zones qui sont concernées par l'efficience intellectuelle, voilà, premièrement que d'abord c'est très réparti partout, que ça c'est aussi fonction de ce que le sous-cortex envoie comme information sur le cortex, et que la latéralisation joue aussi un rôle. C'est-à-dire qu'on a montré, alors on identifie des travaux sur ce qu'on appelle le vieillissement normal, et on a montré qu'il y avait des gens qui étaient plus ou moins atteints du vieillissement normal. Et on a étudié des gens qui résistaient particulièrement, au sens où vraiment à 80 ans ils avaient une mémoire béton et non pas comme un peu tout le monde, comme il s'appelle celui-là, j'ai oublié, puis ça va me revenir après. Et on a montré dans des modèles d'imagerie fonctionnelle que ces gens qui résistaient étaient capables dans certaines circonstances de faire fonctionner une zone dans leur hémisphère mineur qui ne fonctionnait pas chez les autres, comme si on avait recruté quelque chose qui allait nous soutenir. Donc voilà, si on invente un jour des greffes dans le Parkinson, on sait où les mettre. C'est celle du souche qui pourrait se différencier dans le déclin cognitif, probablement qu'on ne saura pas le mettre. Oui, bonsoir.
Je vais vous demander, mon petit-fils qui a 4 ans, il vient de découvrir qu'il a un problème de mon cerveau et il commençait à faire des crises d'épilepsie. Ils ont réussi à stopper avec un traitement très dur, qui est dangereux d'ailleurs, j'ai surveillé, et ils lui ont dit qu'est-ce qu'il risque pour l'avenir. Ils lui ont dit qu'il va faire Alzheimer très rapidement. Voilà, je voulais un peu le montrer. Je peux plus difficilement vous répondre, je suis pédiatre. Mais voilà, peut-être qu'on a employé ce mot Alzheimer comme étant quelque chose de véhiculaire de difficulté cognitive. Voilà, je ne pas plus en dire, mais c'est vrai. Même les Alzheimer jeunes, c'est 40 ans. Oui, et puis il y a même des familles où la transmission se fait sur un mode autosomique dominant, c'est-à-dire que là, c'est comme ce qu'on apprend sur la trisomie 5 à l'école. Voilà. Mais vous voyez bien qu'aujourd'hui, on est capable d'identifier le fait qu'il y a des cellules qui meurent, le fait qu'il y a une protéine qui se dépose, et ce qui amène ce processus nous est totalement inconnu. Alors, hypothèse infectieuse, hypothèse arrière, etc. Et il est très probable qu'on va découvrir que ce qui amène ces lésions, voilà, il y a probablement plein de chemins différents et que ce qui concerne les gens de 40 ans avec cette anomalie génétique familiale n'a rien à voir avec ce qui concerne le commun des mortels qui est à 85 ans, 90 ans, de commencer à avoir cette déficit cognitif. Y a-t-il d'autres questions? Juste une petite idée, je suis quand même assez scientiste, des choses comme ça. Le fait que la fréquence de la maladie d'Alzheimer par tranche d'âge a tendance à diminuer, si on se reporte dans le temps, disons dans 40, 50 ans d'avant, on ne peut pas considérer c'est le fait que par exemple on va vivre plus longtemps, c'est le fait que la nutrition est probablement meilleure, qu'il y a un certain nombre de choses comme ça qui font que on a prévenu le vieillissement. Et est-ce que ça ne pourrait pas être encourageant pour dire que tu dis qu'il faut être trésorier d'une association, enfin, il faut faire un certain nombre de choses comme ça qui permettraient de ralentir le vieillissement ou d'aller de plus en plus loin avec une vie intellectuellement normale. Bah, c'est ce qu'on observe. Donc, on est sur ce chemin-là, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est vieux 1000 fois plus tard et dans des conditions qui sont, je dirais, bien meilleures que ce qu'on a connu il y a 30 ans ou 40 ans. Et avoir une évolution épidémiologique de ce type sur un laps de temps si bref, c'est il n'y a pas d'autre exemple dans le système, dans la santé, c'est-à-dire que l'invention du BCG n'a pas permis de faire reculer la tuberculose avec une telle intensité. Moi, je me souviens, dans les années 90, il y avait un épidémiologiste américain qui avait fait des modèles comme ça de projection de personnes atteintes. Et alors, il faisait un modèle où on réduisait de 5%, 10%. Il avait été jusqu'à 15% en écrivant, mais de toute façon, c'est impossible d'imaginer une intervention qui va réduire de 15% ce fléau. Puis on l'a. Après, ce que ça véhicule comme information dans la vie de tous les jours, on est en même temps dans des évidences, c'est-à-dire c'est faire attention à soi, vivre dans les meilleures conditions possibles, avoir des parents riches, avoir des bons chromosomes, etc. On a malgré tout une part nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on montre très bien par exemple que lorsque on commence à avoir un déclin cognitif débutant, il y a plein d'interventions qui permettent de ralentir les choses. Et aujourd'hui, quand on rentre dans une Alzheimer et qu'on a 80 ans, enfin 75 ans, avant, on mourrait dans les 4 ou 5 ans qui suivent. Aujourd'hui, voilà, les gens meurent 15 ans après, c'est devenu une maladie très très chronique et on voit bien que la manière dont on aborde ces personnes change du tout au tout. Quand je vois ce que je faisais, je remémorais ce qu'on faisait il y a 30 ans, au quotidien de ces sujets, et ce qu'on fait aujourd'hui, ça n'a aucune commune mesure. Voilà. On a quand même changé le regard sur notre humanité. Alors c'est pour ça que mon propos est volontairement un peu provocateur. C'est-à-dire que voilà, je ne veux pas nier tous les progrès fantastiques qu'on a fait. Ce que je dis simplement, c'est qu'on a raté quelque chose qui était de regarder différemment cette situation et que finalement, ça devrait nous apprendre que pour le futur, là où on est en train de débattre, on va débattre de la problématique du financement, des difficultés de la fin de vie, quand on est très âgé, le financement de la dépendance, voilà, la place du médical et la place du citoyen, c'est un vrai sujet. Ok, je pense qu'on va arrêter là et je remercie infiniment.
remerciement. Après, si vous voulez, vous pourrez la dédicace ou bien discuter avec Olivier, il va rester encore un petit peu avec nous avant de repartir. Donc, je voulais moi remercier, avant de revenir, le public qui est aussi fidèle. J'ai juste le regret des lycéens qui ne sont pas venus, mais bon, c'est un truc. Je suis venu un pédiatre. Je voulais donc remercier aussi le baseball de l'Union de Plan et pour les matinées qui nous mettent à disposition cette salle, dans des conditions qui ont été apparemment plus simples, en particulier en termes de contrôle de contrôle à l'entrée. Je voulais remercier Claude Monet, je ne sais pas s'il a pu venir en souci, le Silo, et puis Béatrice et Franck Balcero qui aussi ont diffusé l'information. Donc, merci beaucoup. Et bien entendu, je voulais surtout remercier la bibliothèque Vienne de Poitiers, avec la communauté d'agglomération, sans qui ces conférences ne pourraient vraiment pas avoir lieu à tout point de vue. Je ne reviens pas sur les conférences, mais même les échanges qu'on a, etc. Mais vraiment, j'ai un grand plaisir à travailler avec vous, non pas toutes ou tous, même si les garçons sont un peu minoritaires. Et vraiment pour toute l'aide et toute la détermination que vous avez dans les salles, donc Bénaël, la directrice, Bénédicte, avec qui je vais avoir un échange de mails de 10 à 15 au moins par semaine, Ludivine, Grégory, Sylvie qui est venue ce soir, merci infiniment. Donc je pense que vous avez fait. Et j'avoue que j'ai un grand, grand plaisir à travailler sur ces sujets. Et pour nous aussi, ça va permettre d'allonger un petit peu la durée de vie. Donc, donc maintenant, la dernière fois, je vous avais annoncé des possibilités. Maintenant, on a des certitudes. Donc la prochaine conférence, ce sera Jean-François Toussaint, que tu dois connaître, qui était aussi à l'hôpital Pompidou, qui est un médecin, un sportif, il a été champion de France, fait partie de l'équipe de France de volleyball, et qui va nous parler d'un sujet qui est peut-être pas si loin que ça, qui sont les limites du corps humain. Donc, on parle beaucoup de transhumanisme, on pourrait dépasser des limites, et il y croira beaucoup, donc il viendra nous en parler, et en plus nous parler avec son expérience de sportif. Donc lui, il viendra le 29 mars. Donc ça sera après la conférence sur l'univers organisée par le Silo et Claude Jaillet qui aura lieu le 23 mars, qui est un samedi si mes souvenirs sont exacts. Ensuite, on aura Gérard Berry. Donc Gérard Berry est professeur au Collège de France. Il a la chaire, qui a un nom impossible, mais qui est informatique et un langage informatique. En gros, c'est un matheux qui a fait de l'informatique et qui a inventé des langages informatiques, mais c'est aussi un remarquable vulgarisateur. Il a écrit un livre qui est passionnant qui s'appelle L'hyperpuissance de l'informatique. Il va nous parler de rouvrir l'informatique pour faire un petit peu le point. Et puis je pense qu'il aura aussi l'occasion de nous parler un petit peu d'intelligence artificielle et probablement apportera des éclaircissements très, très intéressants. Et en plus, il a énormément de goût. Ensuite, le 11 octobre, c'est François Taddeï qui viendra. Donc François Taddeï est un chercheur, un polytechnicien biologiste qui a en fait assez mal tourné, qui dirige un centre qui s'appelle le Centre de recherche interdisciplinaire où il y a des physiciens, des philosophes, des gens qui font des sciences sociales, des biologistes, des mathématiques, etc. qui est un centre absolument remarquable. Ils font des enseignements aussi très multidisciplinaires maintenant pour faire des maîtrises où vous allez mettre un peu de japonais, d'anthropologie sociale, de physique, de biologie, etc. Et c'est absolument passionnant, à condition bien entendu de ne pas faire ça comme ça parce que ça vous plaît, mais simplement parce que vous avez un projet, un vrai projet à construire et que vous avez besoin de ces disciplines. Et il viendra nous parler, en fait il a écrit un livre qui s'appelle « Apprendre au 21e siècle », qui est un livre absolument remarquable. Où en fait il parle justement de toutes les nouvelles possibilités d'apprendre à la fois technique mais aussi intellectuelle et nouvelles connaissances en neurosciences pour l'apprentissage. Et c'est lui aussi, c'est peut-être quelque chose dont je vous ai déjà parlé, qui a créé quelque chose qui s'appelle les Saventuriers, dans lesquels les chercheurs viennent participer, viennent avec un enseignant faire un projet de recherche à des élèves.
Et ça, ça va de la maternelle à la terminale. Donc ils arrivent même à faire des projets de recherche en maternelle. C'est, j'ai une petite expérience cette année, j'avoue que c'est absolument passionnant. Donc François viendra, il fera ça probablement dans le cadre de la fête de la science, et je pense qu'avec la bibliothèque, il faut qu'on en discute la semaine prochaine. On essaiera de faire quelque chose au moment de la fête de la science, qui commence le samedi d'avant et qui finira le samedi d'après. Voilà, et puis je travaille, je ne désespère pas d'y arriver à faire revenir Charles Despins. Je sais qu'un certain nombre d'entre vous l'avez entendu et beaucoup apprécié. Il est assez pris, il est peut-être en train d'écrire un nouveau bouquin. Donc, mais je promets que j'y travaille beaucoup. Voilà, donc je vous remercie. Je voudrais remercier le Rotary qui est venu en grand nombre. Je sais qu'il s'intéresse à la maladie d'Alzheimer ou des clins cognitifs, et je voulais aussi les remercier. Merci à tous, et puis j'espère à la prochaine fois.